Ohio, c'est Kensho. Bon, ben nous voilà après un long chargement. Donc je suis sur l'Est actuellement. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne au reste? Voyons voir. Perso, pour moi, ça va. C'est très très joli. Pour l'instant, je suis à l'entour de 30 FPS environ apparemment. Donc je crois que je vais permettre à fond la gamelle. Donc ça c'est la console système. Tiens, ils ont changé ce machin là. Ok. Et maintenant c'est comme ça. Ok. Donc toutes les armes qui sont apparues. Ah bon, c'est considéré comme une arme. Ok, d'accord, oui. Donc voilà. Bon, après il y a un peu du spoil sur les machins. Tac tac. Mais ça j'en reviendrai aux nouvelles mages. Donc voilà, ouais, il y a pas mal de choses. Les petites choses qu'ils ont été rajoutées. Bon, le médecin, il y a toujours ce machin. Les munitions, les trappes, ok. Donc voilà, ça c'est pour le. Comment le. Ok. Commande F2 ne marche pas. Ok, F3 ne marche pas. Bon, bref. Ça c'est pour quitter le serveur, ok. Bon, on va commencer ce qui s'est passé sur le 72. Alors. Ils ont rajouté le cuir, donc en fait qui était sur l'ancien Rust. Donc il a rajouté donc, pour les crafts de vêtements, maintenant il en faudra. Alors la boule de sphère de parcours a été mise en place, donc voilà. En jeu, il y a plus de boutins au monument, il y a plus de choses. Comme d'habitude, ils ont corrigé plein de bugs, modifié des objets, amélioré des choses, comme le graphique. Ils ont rajouté la map en plus en végétation, pour redonner l'endroit plus naturel, quoi. Donc, oh oui, il a travaillé sur les selles de chevaux et du sac. Donc ça je mettrai de toute façon, tout comme d'hab, le lien. Mega travaille sur lance-flammes. Ça va être du lourd ça. Xavier travaille sur la cagoule et le bonnet. Et ils ont rajouté des zones pour les démunis qui proposent un banc de préparation, de recherche et de pumjack. Pour les infos en plus, je les mets comme dit sur le machin. Donc voilà. Bon, on va passer aux choses sérieuses. Sur le 73. Alors, cet hommage, ils sont concentrés sur le PVP. Hein. Et sur le head look réseau et sauvegarde du serve. Donc en gros ils ont amélioré tout ça. Pour le PVP, alors normalement la flash marche mieux. Enfin après j'avais pas très compris je crois sur ce truc. Sur le balancement qu'on vise, c'est amélioré. Des hits sur la touche. Enfin quand on touche l'ennemi par exemple quand on fait un coup normalement. Normalement, ça fait un bruit. Pour les loots de certains objets, ils tombent plus fréquemment. Et d'autres plus rares. Donc, ça, regardez. Il y a des choses centrées sur le head look. Quand une personne te vise, en gros. Mais c'est toujours enfin l'arme. Là en fait elle était autre part et le mec il regardait devant toi, bon c'était pas vraiment cool. Donc là ça a été amélioré, certaines choses que je mets enfin dans le dev comme notamment de bugs sur les cartes graphiques, le SSAO. Les cagoules sont de sortie donc avec plein de couleurs et tout. Xavier travaille sur les pantalons et les bandanas. Oui, il bosse toujours sur les sacs et travaille sur des blocs pour les ratons. Donc Tom, ok, j'ai été déconnecté. Team out, ok. Bon, on va chercher un autre serve. Hein. En temps, je continue. Hein. Ah ouais. Donc Tom travaille toujours sur les modèles féminins. Paul travaille sur les cartois. Donc voilà pour le résumé. C'était un petit résumé du 73. Donc voilà, il n'y avait pas grand chose. Donc passons à autre chose. Ok, d'accord. On passe sur le 74. Annulé. Allez. Pars-toi. Allez. Accueil. Jouer. Voilà. Alors, communauté. Alors. Français ou pas trop rempli ou pas rempli.
Ouais, bon, allez, on va faire un petit coucou chez les voisins gaming. Alors, comme je disais, hop, revenons à nos moutons, 74, parce que leur tourne. Ils ont changé le port query pour les admins en fait. Donc, téléport à activité. What? Non, le téléport en fait il est activé pour eux. Donc voilà. Les vêtements de l'atelier arrivent aussi donc en masse. Donc ils ont revisité certains modèles faits par les gens quoi pour pouvoir les implanter dans le jeu. Donc aussi dire que c'est ça en fait c'est des objets qui sont déjà dans le jeu mais qui ont été changés de la gueule. Donc en gros ça influe pas sur le jeu. Enfin le PvP quoi. C'est juste design. Donc voilà, et après il y aura plus de l'unité à faire, du style pour les icônes. Donc en gros voilà, Gossman a amélioré le mouvement relax pour les armes et toujours en train d'élaborer route, voie ferrée, wagon. Donc voilà, le pipeline aussi, égout, tunnel, souterrain, zone industrielle et résidentielle. Donc Xavier a presque fini les bandanas. Donc en gros, il travaille sur plusieurs concepts de la ratonne. Paul a travaillé sur les saletés pour les habits. Donc en gros, quand on aura des saletés sur les habits, ça se verra. Donc en gros, voilà. Tom travaille sur les armures lourdes. Donc voilà. Ouais, je pense que c'est tout pour le 74. Donc je continue sur mon élancé sur le 75. Alors, voilà, je pense que vous avez remarqué, il a changé le menu et rajouté, enfin le menu que vous avez vu là, avec sous-menu, chargement et information sur le serveur. Donc en gros, les échelles sont un peu nerfées. Donc en gros, c'est comme si on les portait sur nous. Et les pencher sur un mur est égal à la hauteur de placement est limitée. Entendre un bruit. J'espère que c'est pas quelqu'un de méchant, quelqu'un gentil qui veut pas me tuer un cul nu sur la plage tranquillou. Donc en gros le jeu franchement je sais pas si vous voyez mais il claque. En tout cas il commence à faire nuit. J'espère que on verra ce que je fais devant moi. Sinon ça va pas le faire. Donc alors Morino il a travailler sur le changement des bâtiments pour la décomposition. En gros, quand les bâtiments, quand on n'est pas là, quand ils se barrent. Quand on se barre ou autre, ou qu'on change de serveur. Alors, les brindilles font 6 heures, donc durée 6 heures. Voilà. Pour le bois de 12 heures, en fait, il se désagrège en 24 heures. Pour la pierre, c'est 12 heures, 48 heures. La tôle, 12 heures, 72 heures. Le blindé, c'est 24 heures. Et ça désagrège au bout de 120 heures. Donc en gros, voilà. Voilà. J'ai dit tout ce que je savais. Et aussi, ils ont réduit le temps de craft de 30 à 60 secondes. Enfin, de 30 à 60 secondes plutôt. Au lieu de 2 minutes. Alors, André, il a travaillé sur le problème de collision des joueurs et animaux. En fait, il veut changer ces choses-là, comme les hitbox, avantages classiques. Et ils ont mis aussi un flak. Bref, sur les projectiles pénétrants, mais aussi dépend de la munition, de l'arme, et traverse et inflige pas vraiment les dégâts normaux, quoi. Et revue sur les ricochets des balles, quand on tire sur un. Sur le sol, par exemple, le ricochet il fait un bon ricochet. Diego aussi a fait des projets. Enfin, plutôt des progrès sur le reflet de l'eau et le bug de changement de SAO, DX11 et du PVT pour les miro. Là, oups, pour la mémoire, lol. Un petit bug. Donc, voilà. Et c'est parti pour continuer au 75. Xavier explore pour un pantalon pour les joueurs, pour les modeler quoi, enfin pour faire ce qu'on veut, modèle. Vince travaille sur les zones industrielles et structures
de héros qu'on voit dans leur leur dessin quoi sur leur site, voilà. Et trois nouvelles villes, donjons, garage, triage, ancien complexe, usine et un silo. Et voilà. Et groupe de mots propulsion, tout ça. Ils avaient parlé de ça, Vince, qui travaille sur ces zones. Oui, travaille sur une usine de traitement d'eau. Donc voilà. Paul travaille sur un bâtiment de type usine. Donc il se passe le mot. travaille sur le VFX, sur les lumières et vapeurs et gouttelettes, ce qui est souffle glacial, les gros. Enfin, ouais, en gros, sur les événements météorologiques. Alex a changé le son explosif. Donc voilà. Tom parle du modèle femme pour les boobs. Opaille! Les petits opailles. Les gros opailles. Voilà. Petus a bossé sur les arbres pour qu'ils soient meilleurs rendus. Donc voilà pour le 75. Je vous invite à continuer sur le 76 que je vais dire maintenant. Donc voilà. Commence à faire vraiment nuit. Bon, ok. Alors, il y a de bonnes nouvelles pour le futur de Rust sur ce dev. Ajout de mode d'armes. Donc, en gros, ils ont fait ça. Ils ont ajouté aussi l'île Hippis ou Apis, je sais pas comment ça s'appelle. 100% PVP. On va allumer la feu. Hop là. On y va un peu mieux avec ça. Donc, voilà. Ils ont fait aussi des sondages pour appliquer les mages. Donc maintenant qu'il y a les résultats qui font une sur deux. Donc en gros ça va être pas mal du tout. Ramassons un petit peu de choses, on sait jamais. Peut-être utile. Là-bas il y a une jolie maison. Je vais pas trop m'approcher. Alors le mode spectateur stuff est revenu et actif normalement. Donc voilà. En fait normalement il y aura plusieurs modes pour la semaine prochaine. Mais Renault, il a ajouté le lit. Enfin, c'est le plus cher qui est placé. Enfin, le lit basique en métal là avec enfin notre lit quoi. Donc voilà. Apparemment, le fusil peut plus viser. Donc voilà, c'est pas mal. André, il a fait des améliorations de Progen 10.1 pour le terrain et opération d'objets. Les projectiles pénétrants que je parlais tout à l'heure. Donc voilà, maintenant c'est fait quoi. Donc on pourra traverser les brindilles quoi, comme c'était du beurre. Donc en gros voilà. Le soleil sur l'eau est mieux fait et le lissage. Non, c'est pas ça. Non, le lisse. Time sync est corrigé, donc voilà, plutôt. Je parlais autre chose là. Voilà. Après, il parlait du collider batching des corrections. Enfin, il y a plein de corrections dessus. Alors, Péture. La nouvelle map là, ce que je parlais, la lutte de. Non, c'est Savas. Ah, bon. Hippie, je crois que c'est Savas. Je confonds avec un truc là. Ouais, c'est Savas, donc là ils ont montré les photos et tout. Donc ça fait beaucoup de choses qu'ils ont rajouté. Alors Diogo est toujours à fixer et réparer les bugs graphiques de PVT et SSAO. Guzman a fait des animations pour les gestes étendus, armes, rochers. Etc. quoi. Vince est en plein travail sur les prochains lieux donjons, Raton et exemple la lieu ferroviaire. Oh oui, de nouvelles cartes à échanger à fait. Alex Reberg, nouveau son quand on casse les barils et les citrouilles. Donc voilà, il est parti aussi. Réverbération, aucune idée. Donc voilà, j'ai aucune idée sur ça. Xavier a fini le pantalon. Enfin, ce qu'on peut choisir la couleur et tout. Scott travaille toujours sur les effets de FX, étincelles, poussière, la fumée, etc. Et voilà, ils font
des progrès aussi, enfin Tom fait des progrès sur la femme, donc voilà. Donc sera tout pour ce petit grandir entre guillemets 72 jusqu'à 75, voilà. Donc en gros, ça fait un groupe avec elle. Donc je vous dis à plus tard pour une autre vidéo en ma compagnie. Donc voilà, je vous dis à plus tard. C'était Gunshot de la Femme Steam. Bye bye!